Et salut tout le monde, c'est Tristan et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Dying Light où la lumière se meurt. Restez humain, hop là. Oh le fail du début d'épisode. Hop, j'avais oublié ça la dernière fois. On se le remet sur l'écran, le petit compteur de mort, ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Ouh là là. Ouh, c'était chaud. Et que vous avez la forme. Donc, pour... petit rappel, la dernière fois nous nous étions laissés, nous avions avancé sur la quête principale avec Akon. On avait infiltré le repère des pacificateurs pour trouver un moyen d'aller dans la ville, dans l'autre partie de la ville, dans le centre-ville je crois même c'est. Je ne sais plus exactement. Et donc cette fois-ci, donc pour cet épisode, on va encore faire de la quête secondaire, parce qu'il y a plein de quêtes secondaires, il y en a plein. C'est la fête. Donc, hop, donc on va s'y rendre tranquillement, voilà, pour faire la petite intro. Ah, je l'ai pas pris. Pas le tic-tac, pas le flip-flap, le tic-tac, je sais pas comment ils appellent ça. Ben voilà. Et donc, tiens, sympa, je m'attendais pas à trouver cette zone. Pourquoi la musique s'excite? Bizarre la musique. Et donc, petite info aussi. Donc au passage, je sais pas si vous l'avez vu passer, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou pas. J'ai fait l'annonce, donc voilà, donc, comme la dernière fois, je l'ai déjà dit, si vous voulez avoir des actus sur la chaîne, sur d'autres infos que les let's play, etc., vous pouvez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram, de temps en temps, ça m'arrive aussi sur Instagram de poster des trucs. J'ai changé de carte graphique, je suis passé d'une GTX 1660 Super, un peu pour Axe, qui commençait à faire son deuil, elle commençait à être bien fatiguée. Ah, une RTX 3070 Ti. Et donc là, actuellement, vous avez tout en bas, à gauche de votre écran, un petit indicateur de FPS. Vous voyez qu'il reste constant à 60 FPS, sachant que je suis en qualité au max. Voilà. Et pour info, il n'y a pas de RTX sur Dying Light 2, outre que sur la lampe. Enfin, je vois pas... comment le RTX joue sur la lampe? J'étais persuadé que c'était sur les reflets. Ah oui, grappin. Ah ouais, mais c'est génial le grappin en fait. J'avais débloqué avec vous ça? Je m'en rappelle pas. Eh, dégage. Ah, par contre, on peut pas faire un vers nous. Enfin, devant nous. Pas grave. Bref, on arrive sur la quête. Allez, c'est parti. Salut, petit bonhomme. Où sont tes parents? Ah, c'est un gamin. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je suis sur une mission importante. Oh, une mission? Quel genre de mission? Une mission avec un M à la fin. Mission secrète, bien sûr. Super secrète. Et je te dirai rien. Tu m'en parlerais si je t'offrais de l'aide? J'ai pas besoin d'aide. Mais si tu veux savoir, je cherche de la nourriture pour mes parents. Je le fais tout le temps, sans problème. Ça a l'air dangereux. Tes parents pourraient pas au moins venir avec toi? Non. Ils sont morts, je suis sûr. Comme je l'ai dit, c'est sans problème. Je gère. Je peux tout gérer. Ça se voit, ouais. Écoute. T'es incroyablement courageux, mais j'aimerais beaucoup t'aider. J'imagine que je pourrais toujours t'embaucher. Je peux même te payer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors maintenant, les gamins m'embauchent. Pourquoi pas? Quels sont les ordres, Sire? Il y a une boutique sur West Horizon Lane, juste avant d'atteindre la zone chimique. Je chargeais des sacs à dos avec de la nourriture quand ces saletés sont arrivées et m'ont chassé. Oh. Rapporte-moi ces sacs à dos et je te donnerai une super arme. L'arme de mon père. Donc la mission, c'est de récupérer de la nourriture pour tes parents. Ouais, c'est ça. Et tu peux livrer chez nous. Ah bah oui, tant qu'on y est. On vit à la limite de la zone chimique. Seul endroit où mes parents sont en sécurité. C'est étrange. Ça serait mieux de récupérer les sacs à dos la nuit, quand les infectés sont pas dans le coin. Ouais, si tu le dis. Je sais pas. Mais tu le feras, hein. Je peux rien te promettre. On verra bien. Ok. Bon bah, à plus tard. J'espère. Mais oui. Aidez, pauvre petit gosse. Il est tout gentil, tout mignon. Allez, suivons la quête.
petite ambiance d'Unway. 190 mètres. On va y aller comme ça. J'aime bien parce que j'ai l'indicateur de... Ah mais il est pas mort. Voilà. Maintenant il est mort. Ah j'avais pas fait gaffe qu'il était pas mort. Ça m'apprendra à dire. Par là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un esquiveur. Ah, on se fait esquiveur là vite fait? Allez, on se fait un petit esquiveur vite fait. Il va être ouf. Non, je vais faire le bourrin. Oh, oh mais j'ai ça. Ah non, l'esquiveur, il est... Ah non, c'est pas un esquiveur. Oui, je dis une bêtise. En fait, c'est pas forcément un icône d'esquiveur. J'aimerais passer par les toits pour éviter les hurleurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop là. Ouh, c'est chaud. Oh, les bruits d'ambiance dans le jeu, c'est quand même géniaux. Alors... Ah. Ouais, on va se les faire. Tu me lâches? Mais c'est pas vrai! Je fais de la merde aujourd'hui! Mais j'ai fait de l'autre côté! Oula, plus d'un endurance. Vas-y, reste là, toi. Vas-y, viens. Ouf. Oh, j'ai fait un coup de grappin. En fait, comme c'est une attaque puissante, ça m'a foutu au sol. Oh, c'est excellent. Oui, c'est excellent. Ouh, il manque la tête, lui. Oui, bon, on peut prendre le temps vite fait de fouiller quelques cadavres par-ci par-là. Hein. 83 mètres, on est à côté. Il est à côté. Hein. Hop. Alors, c'est par où? Ah oui, bah oui, c'est une zone... Il nous donne dans le magasin chercher les sacs à dos contenant de... Hop là. De la nourriture que Kevin a laissée. Ouh là là. Ouh là là, ils sont partout. Oh, j'ai que ça. Il va falloir que je fasse un peu d'orcam et que je fouille les zones où on peut trouver des champignons parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et là, j'en ai que 4. Ouais, je veux bien y aller, les gars, mais... Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Oh, punaise. J'ai fait un sursaut. Musique d'ambiance, quoi. Trouvons les sacs. Il y a énormément de choses à fouiller. Ça va en faire des ressources, hein, je vous le dis. Ouais, bon, enfin les canettes, on s'en passerait, je pense. Ok. Ok. Ça me stresse, ces zones. Normalement, il y a beaucoup moins de risques de nuit. Mais c'est quand même hyper stressant. Surtout que j'ai l'immunité. Alors. Ouais. J'ai plus de flèches. Coup fort. Ouais, on va essayer de remonter l'endurance. Ah, élimination. Je vais reprendre ça. Voilà. Ah, l'arme elle est cassée. J'avais pas vu qu'il y avait un... Oh là là, j'ai plus de flèches. Je sais pas si on peut les fabriquer. Ça doit être un sac, ça, non? Non. On récupère des choses intéressantes. Allez. Mais c'est pas possible.
Il y a un sac là. Je vais rester accroupi. Hop, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Il y avait rien ou il a juste pas fouillé le sac? Oh là là. Ils sont côte à côte, les zombies là. Bon bah. Banzai! Déjà? Mais non! Il a traversé son pote! Pas son pote. Pas sans parler. Non! Ah, mauvais timing. Pfiou. Ah, mais j'ai déjà fouillé les sacs, je suis à 2 sur 3. Oh, le boulet, quoi. Je croyais qu'on récupérait littéralement les sacs, moi. On les portait sur le dos, quoi. Non, non, en fait, on les fouille. Par contre, la sortie, j'ai intérêt à m'activer. Yep, voici les sacs à dos. Il est temps d'aller nourrir cette famille. Eh oui. Hop, on est l'ange gardien de cette ville. Ouais, je sais. Allez, hop. On se remet un petit coup. Je vais reprendre la santé. Je vais trop vite, en fait, pour appuyer sur les touches. Le hurleur, le hurleur, le hurleur. Je peux pas grimper. Non, 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 non. Phew. J'ai eu un coup de stress là. Ah, mais ils sont à côté. Ah oui. Ah. Je me sens aussi mieux que le personnage dans le jeu, je crois. Ah, je peux peut-être me soigner aussi. Hop les. En fait, on a découvert que les parents ils sont morts. Ouais, faut que je descende dans la rue là. Non. Trouvé. C'est par là. Ah, oh, punaise, j'en étais sûr. Bah oui, mais non, mais attends. Écoute, c'est de là. Tu sais que t'as. Hé, hey, t'es en train de parler de mes parents? Eh ben, c'est. Ce sont tes parents. C'est ce que j'ai dit, non? Oui, mais non. Maman, papa, regardez qui est là. Je vous avais dit qu'ils s'enfuiraient pas avec la nourriture. Je sais, vous avez faim. C'est pas vrai. Mais non. Écoute. Gamin, tu sais ce que ça veut dire de se transformer, pas vrai? Qu'est-ce que tu crois, que je me cachais sous une pierre? Bien sûr que je sais. C'est bien. Donc, tes parents, ils sont plus avec nous. Ils se sont transformés. Ah, c'est horrible. N'importe quoi. Regarde. Hé, hey, papa, t'as faim? Ils sont malades. Ça pourrait être dangereux pour toi. Je les gère. En attendant, passons aux choses sérieuses. C'est quoi la bouffe qu'on a récupérée? Je t'ai dit que si je t'embauchais pour la mission, je te paierais. T'as la nourriture? C'est bon. Tiens. Génial, merci. Pour eux, c'est pour toi. Tiens maman, tiens papa. Régalez-vous. Salut, à demain. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour vous nourrir. Et voilà, c'est la super arme. Mon père n'en aura plus besoin maintenant. Oui, oui. Merci encore. Mes parents sont également reconnaissants, comme tu peux le voir. C'est vous parce que les zombies nous bouffent la... Mais what? On peut pas aller les buter parce que... C'est... Non. Pauvre gamin, quoi. Il y a des choses à fouiller. Ouais, en fait, c'est un bâtiment qu'on peut visiter à n'importe quel moment, en fait. Sauf que pour la quête, ça devait être fermé. Ah, mais ils sont marqués comme étant alliés, les zombies. Regardez, ils sont verts. J'ai peur de comprendre. Non, y'a rien à comprendre. Y'a rien à comprendre.
Ah, oui, du loot. Du loot et encore du loot. On n'a jamais assez de loot. Bon, au bout d'un moment, 10 fois trop, mais... Là, il y a des trucs. Hop là. Bon. Ce qu'on va faire. Tac. Donc, il faut que je trouve une zone avec un lit. Donc, juste là. Alors, faut que je marque le moulin, sinon c'est pas affiché. Et après, on ira faire cette quête-là. Ce que je vais faire, pour des raisons de facilité et de... Merde. Voilà. Bon. Ce que je voulais faire, en fait, c'était me rendre à la zone de quête. Enfin, dormir à LM de la zone de quête avec une ellipse pour vous. Mais on va profiter de la petite poursuite. On va la faire ensemble. Hein. On va voir si j'échoue ou pas. Oh putain. Oh le fail. Ah non, j'ai perdu le bonus de nuit et tout, quoi. Oh là 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 là. Bon, bah... Au moins, l'avantage, c'est que je suis à Ali. Ah, ben il y a la vache juste au-dessus. Punaise. Le boulet, quoi. Et on va aller faire cette quête-là. Donc, ce que je fais... Bah, je vais attendre jusqu'au matin. Je vais jusqu'au point de la quête... la quête secondaire, la quête de nuit. Et comme vous savez, il faut qu'on prenne les quêtes la journée pour les avoir de nuit. Et on se retrouve... quand on est devant la quête. À tout à l'heure. Par là. Allez, on arrive à la quête. Pas tout droit, puis 16 autres pas, tournez à gauche. Esquivez les trois infectés là. 26 plus 82, 108 pas, plus la longueur du salon au carré. Oula. Je suis revenu. OK, allez, vas-y. Bon sang. Tu m'as fait perdre le compte. Encore une fois. Le sac est là. Quoi ? 13 pas à partir de l'entrée. 27... Attends. Deux infectés sont arrivés à ce moment-là. Mmh. Bon sang. Je vais jamais le retrouver. Trouver quoi ? Le CD de mon père. Ah, c'est la fameuse code du CD. Le futur de l'humanité en dépend. Le futur de l'humanité ? Mmh. C'est ce que dit mon père. Stellenborg, professeur de cosmologie ici à l'université. T'as entendu parler de lui ? Il a écrit un article bien connu, La cosmologie de la virologie. Quand ? Une réflexion de haut niveau. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le CD ? Aucune idée. Mon père l'a laissé dans un sac à dos. Un sac, je sais pas. J'ai pas tout vérifié. J'étais à 13 pas de cet appartement quand deux infectés ont fait irruption. Non, attends. Trois. On va arriver à 10. Tu veux que je t'aide ? Tu le ferais ? Parce que... je pourrais même pas. Je veux dire, je pourrais essayer. Mais trois infectés, c'est trop. Ils me tueraient. Oh... Ouais, sans doute. D'accord. Alors voilà l'histoire. Le CD est dans le sac de mon père. Ou un sac à dos. Ok. Ou le sac à dos est dans notre appartement. Au 116 Bell Tower Road. C'est à l'ouest de Horseshoe. Près de Meatpacking Square. Très bien. Et souviens-toi, le destin de la race humaine pourrait reposer sur la récupération de ce CD. Mon père te à ce paiera, point. Bien sûr. Lorsque tu lui rapporteras le CD, il attendra à l'extérieur de l'église. Ok, compris. Oh, et voilà un petit conseil. Attends le crépuscule. C'est encore la zone sombre. C'est à ce moment-là qu'ils sortent. Ils sont entassés là-dedans pendant la journée. Ouais, voilà. 5 dans le couloir. 2 en haut des escaliers. Non, 3. Ouais, bon, il y en a une dizaine, quoi. On va faire plus simple, hein. Allez, c'est parti. Suivons la quête. Petite transition in-game. Alors, c'est par où ? 187 mètres, ouais, ça va aller vite, ça va aller vite. Hop, attends. Ah, c'est bon, je suis considéré comme étant dedans. Ouh, c'était chaud. Ah, merde ! Ah oui, j'ai modifié mon arme, elle fait des trucs électriques. Tiens,
Comment ça, t'as esquivé? Aïe. C'est un peu tendu là. Ils sont où? Aïe. Bon, merde. Mais j'appuie sur eux. Non, tombe pas, s'il te plaît. Non, tombe pas. Ah, punaise. Je vais pas aller les chercher. C'est la nuit. Ça, c'est un truc qui a dû apparaître, en fait, avant la nuit. Enfin, voilà. Bref, et si on allait le récupérer, ce truc, hein? Oh, le logo Techland. Oui, c'est le logo Techland, ça, le graffiti. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, mais encore un truc. Bonjour! Oh, on va se les faire, hein, en chemin. C'est sur la route. Vas-y, dégage. Oula, il s'est passé quoi, là? En fait, je vais sauter par-dessus le zombie. Il est mort? Ah non. Hop. C'est excellent cette technique. Ah mais il est mort. Ouais. Toi aussi. Voilà, c'est les petites rencontres. Oh, le glitch. Alors oui, pour info, pendant la petite transition que je vous ai faite, j'ai légèrement baissé la qualité parce que j'ai eu des chutes de framerate assez violentes. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrivait, pourtant j'ai joué 2 heures. Bon, après il y a le record en plus par-dessus. Et comme je fais tout sur le même PC, donc ça tire un peu dessus. Donc voilà, j'ai juste baissé très très légèrement. J'ai laissé le ray tracing. Ouais, je trouvais intéressant de garder le ray tracing parce qu'il y avait vraiment les occlusions ambiantes avec le soleil et tout, c'est quand même magnifique. Donc j'ai trouvé dommage de les perdre. Ok, faut que je rentre par là. Des choses, Night, hein, que je suis en train de faire. Hop, hop, hop. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, en rentrant là-dedans. Ok, c'est pas de ce côté. Non, c'est de l'autre côté, évidemment. On a une petite zone UV. Non. Oh, génial. Tiens. Eh ben, meurs. C'est un crasher. C'est des horreurs, ces trucs. Je les aime pas. Déjà, dans le premier, je les aimais pas. On va prendre ça, tant pis. Mais non! Mais non! Évidemment, ils vont tous se ramener. Bonjour. Vous êtes nombreux encore? Ok, il y en a deux là. Le problème, c'est que je fais trop de bruit. Bougez pas, messieurs, dames. J'arrive. Putain de... Bam. Rien. Ah, j'ai littéralement eu peur. Hein. Putain de merde. Inventaire plein. Génial. Bon, ok, lui il m'a vu. De toute façon, maintenant c'est trop tard. Là, il y en a un autre. Oh, c'était beau ça.
je suis un ninja. Bon. On pensait qu'il y avait un drôle de bruit. Oh là là, oh là là, je suis désolé pour ça. Vraiment, c'était pas volontaire. Je vous jure. J'ai mon baiser qui fait un sale bruit, j'aime pas du tout. Il fait un grrrr. Ok, il faut que j'aille par là en fait. Oh les modes bourrins. Voilà. Je vais pas mourir. Bah voilà. Fouiller la cavité sombre. Mais non, mais je peux pas récupérer les trucs, c'est pourri. Ah, j'ai encore peur de, du zombie là, qui est arrivé dans mon dos, quoi. Ah. Ok. Ah. Est-ce que t'as sur toi intérêt à valoir le coup? Ah, mais voilà, on a trouvé. On va fouiller ça quand même. Bah alors? Bah. Ouais, je le sais. Hop les. Je pense que le record sur le PC plus le jeu avec le RTX, il aime pas trop. Inventaire plein. Oh, c'est pas vrai. Faudra qu'on revienne plus tard. Hop. Allez, on va aller rendre la quête. Bon, tu y passes, oui, s'il te plaît. Merci. Oh, j'ai raté l'échelle. Mais y a pas de, de zone UV, là, pas loin. Non, parce que ça va être nécessaire, là. Ça va être nécessaire. Il me l'indique pas sur la carte. On est à 137 mètres. Ah, c'est pas très loin. Heureusement. C'était quoi cette zone? Attendez, je m'affiche la carte. J'y reviendrai quand. Ok, donc il faudrait que je vienne par là. Est-ce que je peux mettre un point? Ah, je peux pas mettre deux points alors que je suis déjà présent dessus. Très bien. Le jeu ne le permet pas. C'est dommage parce que c'est une zone à laquelle j'aimerais bien revenir. Donc, pardon, je regarderai sur le. Je reviendrai en hors cam. Et je verrai hop sur la le sur le rush. Pif. Allez, on va aller rendre le CD à papou. À papou. Stellan. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? C'est ton fils qui m'envoie. Tu as le CD? Ouais. Et ton fils va bien? Si ça t'intéresse. C'est pas mal déjà ça. Merci pour le disque. C'est quoi cette histoire de CD contenant le destin de l'humanité? Si je peux être honnête, cela pourrait très bien être le seul salut de l'humanité. Les gens brûlent des livres pour se tenir au chaud la nuit. Ils utilisent des toiles pour réparer les trous dans les toits. Et dans les cathédrales gothiques, ils vendent des tomates. Ils ne comprennent pas qu'aucun homme vit pour toujours. Contrairement à l'art. C'est ça, tu entends? Et maintenant, cette transition. Tout à fait. Sérieux? Oh non, mais j'hallucine. Pff, tout ça pour ça, non mais... Bon, juste rapidement, désolé pour la petite coupure que vous avez en plein milieu du dialogue. Je suis allé regarder en fait, c'est le ventilo de mon water cooling. Il va peut-être falloir que je pense à nettoyer la poussière qu'il y a autour. En fait, j'étais en mode. Alors, j'ai 4 modes en fait. J'ai le mode quiet, j'ai le mode standard, le mode de performance et le mode full speed. J'étais en mode performance et en fait, je pense qu'il devait être dans un état un petit peu bâtard au niveau vitesse, les ventilos. Donc je me suis embêté, j'ai mis en mode full speed, comme ça moi je suis sûr que niveau température, je sens la chaleur qui remonte entre mes jambes, c'est affreux parce que j'ai le PC sous le bureau.
Bref, on a encore un tout petit peu de temps, je pense, pour faire une autre quête. On avait dit la dernière fois qu'on ferait voilà, les abeilles du maître brasseur. Ce que je vais faire, comme tout à l'heure, on va rentrer, je vais faire un petit dodo, si je trouve le lit, évidemment. Normalement, il y en a un dedans. Il est où le lit? À mon avis, il doit être près du sac, et le sac, ça me l'a indiqué, là. Ok, faut que je monte. Bon, bref, donc je vais faire le petit dodo. J'avais jusqu'à la zone de quête, jusqu'au donneur de quête. Et on se retrouve quand je suis devant. Allez, à tout à l'heure. Bonne nuit. Pèlerin, on a repéré des infectés spéciaux dans le coin. Fais gaffe à ton cul. Très bien. Allez, on arrive à la petite zone de quête. Il va se calmer avec son sifflet, lui, parce que je vais lui faire avaler. C'est pas dans un film où il y a un moment, il y a un mec qui parle d'un sifflet et qui dit qu'il aurait plus besoin de souffler, je sais pas quoi, faire du bruit. D'accord. T'es apiculteur ou brasseur? Les deux. C'est le secret de ma double boc. Tu as dû remarquer que la plupart des bières dans cette ville ont goût de pisse. Ah, c'est sympa. C'est ce que je dis. Plus personne ne se soucie plus du goût de rien. Quoi, ça te surprend? La vérité, c'est que ces soi-disant brasseurs ne sont que de foutus amateurs. Et donc toi, t'es un pro? Un peu, ouais. En plus, on est dans une bonne phase pour mon commerce. La demande pour la bière est plus haute que jamais. Les brasseurs sont dans les 10 activités les plus stables de la ville. Juste derrière les pompes funèbres. C'est ça. Elle est bien bonne. Et moi, je me dévoue à entretenir ma levure et mes abeilles. Bon, c'est quoi l'histoire? Ouais. Tu connais l'ingrédient secret de la meilleure bière de la ville? En plus d'y mettre de l'amour, bien sûr. Miel? Je suis sûr que t'es sur le point de me le dire. Le miel. Et pour récolter le meilleur type de miel, il te faut les abeilles les mieux nourries. En parlant de ça... D'ailleurs, comment ils font pour survivre, les abeilles? Avec mes abeilles, leur donner du sucre. Y'a que mes ruches dans le coin, mais les bien en hauteur. Hors de portée de ceux qui voudraient voler mon miel. Je peux essayer? Où sont ces ruches exactement? Trouve d'abord les 5 sacs de sucre que j'ai laissés à proximité pour les nourrir. Si tu les trouves, tu trouveras les ruches. Il y en a 3, elles sont côte à côte. La première est sur un toit pas loin d'ici. Si tu regardes vers le terminal principal, tu pourras l'apercevoir. D'accord. La deuxième est sur le toit du bâtiment du terminal principal, sous cette grande tour couverte de la bannière des pacificateurs. Et la troisième est en haut de la gare du terminal principal, juste à côté des statues. Vas-y vite, s'il te plaît. Le business est si intense que je les ai négligées ces temps-ci. Elles sont probablement mortes de faim. Ah bah ça sert plus à rien alors. Plus un brasseur qu'un apiculteur, après tout. Et voilà. Ouais, on va suivre. Ok, bon, faut juste... Ah, un sac de sucre. Je peux sauver les abeilles de baraque de la famille. Ah, c'est un défi parcours. Et vous savez quoi, on va en faire qu'un. Ensemble. Le défi parcours, c'est sympa à faire. Allez. En plus, on a pas mal de compétences sympathiques pour les faire. Oh là 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 là. Je la compte comme une mort. Je la compte comme une mort. On va réessayer. Ah punaise. Bon, je vais pas essayer de le faire. Ah, 2 minutes 30 le... Si on y arrive... par contre, tu veux que je passe par où le jeu? Ok, il y avait une voiture en plein milieu du chemin, évidemment. Ouais, prends ton temps, Aiden, surtout. J'aurais pu utiliser la barre ou... Pour grimper. Hop là. Bon, maintenant, je peux courir là-dessus. Oh, mais non. Ok. Je pensais qu'il y allait avoir un autre truc, moi. Mais pas du tout. Allez, grimpe. Oh là là. 8 points de contrôle, mais j'avais pas vu. Bon, on va faire au mieux, hein. C'est pas gagné, cette histoire, je vous le dis. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Ouais.
truc improbable. Mais non. Ouah, c'est chaud, j'ai déjà une minute et j'ai fait que 2 points sur 8. Ouais, là je prends des risques. C'est tendu du cul ce défi parcours là. Je vais essayer avec les compétences, ça va le faire. Allez, grimpe. La musique qui ralentit lors d'un saut aussi, ça c'est génial. J'ai l'impression que les derniers vont un peu plus vite quand même. Ouais, le tout dernier est quand même assez loin. On va faire le tour par les toits. Je pense qu'on mettra moins de temps. Mais 2:30. Oh mais non, il a pas fait le saut que je voulais. On y est. Oh là là, on y est. On y est. Oh, 2:10. Oh, je m'étonne moi-même. Ah, excellent, mais c'était pas mal. Oh, c'était bien, c'était bien. Qu'est-ce qu'on fait? On en tente un autre? Un autre sac de sucre pour les petites bêtes affamées de baraque. Eh oui. Eh oui, il y a un autre sac de sucre. Tu veux bien monter, s'il te plaît? Mais oh. Non, on va pas tous les faire parce que... Bon, après, c'est la quête, hein, normalement, mais... Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que pour la prochaine vidéo, bah, je vais faire les deux derniers et après, on ira lui rendre la quête. Tout au début d'épisode. D'ailleurs, on va regarder rapidement qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode. Donc, on va finir ça. On pourrait faire cette quête et cette quête. Alors, celui-là, je suis déjà allé le voir, c'est une station de métro, mais je sais pas pourquoi il veut pas me le garder marqué. Donc, ce qu'on fait... Ouais, la prochaine fois, ce qu'on fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la quête histoire. Tac, 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 défi date de péremption. Ah, mais ça sent le défi parcours. Et élégance... Ce qu'on fait la prochaine fois, est-ce que je le fais avec vous? Est-ce que je rends la quête avec vous ou pas? Ce qu'on va faire, donc je vais finir cette quête en hors-cam. Je vais faire ces deux quêtes-là en hors-cam aussi. Et au prochain épisode, on fera cette quête. Voilà, comme ça on alternera un peu quête annexe, quête principale. Ce sera plus simple. Allez, sur ce, on se laisse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, ces petites quêtes annexes sympathiques. Pauvre Kevin, d'ailleurs, qui a perdu ses parents, mais qui... Il est dans le déni, hein. Première phase du deuil, je crois. Bon. Allez, sur ce, on se laisse là-dessus. J'espère que... Je voulais faire une glissade. Vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, j'aime, un petit commentaire si vous avez aimé. À vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si vous ne souhaitez pas louper un seul épisode de nos aventures sur, j'allais dire Cyberpunk, pas du tout, sur Dying Light, où la lumière se meurt. Restez humain. Ou reste humain. Je pense que c'est ça. Reste humain, plutôt. Et aussi, vous pouvez partager les vidéos sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Le cours. Yeah.